dixième d'écart simplement, autant dire rien du tout. Début de la sixième rotation avec Caroline Weber, l'Autrichienne, au massue. Et un petit raté au niveau de la musique. De la sono. C'est assez rare, c'est même très rare à ce niveau-là de compétition. C'est une spécialiste du pivot cosaque. Elle enchaîne avec un équilibre parfaitement réalisé sans déséquilibre. Superbe. La musique a été choisie dans l'objectif des Jeux Olympiques d'Athènes, je pense. C'est possible, mais peut-être que d'ici là, elle aura quand même le temps de changer de musique. On lui souhaite en tout cas, parce que sinon, elle va la trouver un petit peu répétitive. 2 ans nous séparent d'Athènes encore. En fait, selon les pays, c'est pareil, on adopte une stratégie différente sur la préparation des JO. Quelquefois, les gymnastes ne changent pas tous leurs enchaînements d'un coup. C'est peut-être un enchaînement qui est tout récent de cette année, qu'elle va garder jusqu'au jeu, mais les 3 autres changeront peut-être. Et vous avez sans doute raison aussi, il peut très bien disparaître de sa palette d'enchaînement d'ici un mois. C'est vrai que tout est cohérent, hein. La couleur de la tenue, tout ça est très très grec. Et le public adhère, hein. Elle est encouragée. Et à propos des Jeux Olympiques, vous avez peut-être remarqué que dans de nombreuses disciplines, eh bien, l'Espagne a cet été accueilli énormément de grands championnats internationaux. Ce n'est pas totalement par hasard, puisque l'Espagne est de nouveau nation et ville candidate pour 2012.